Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. Un petit haul Costco, très rapide, on a pris des yops. Parce que pour vrai, là, le matin, quand je déjeune, mettons avec une toast, quelque chose comme ça, c'est vraiment c'est un bon petit yogourt à boire, c'est facile, ça se prend bien, puis ils sont vraiment bons. J'ai pris du pain brun, j'ai une obsession ces temps-ci, mon chum a toujours pris du beurre de peanut avec des bananes, puis j'ai vraiment une obsession avec ça, fait qu'on a racheté du pain. Dans le fond, on en laisse toujours un sorti, mais les autres, on le met dans le congélateur, puis on les ressort juste quand on a besoin, fait que comme ça, ils passent pas de date trop rapidement. Du riz comme ça, je pense que c'est ma belle-mère qui fait nos commissions Costco là, chaque semaine, elle nous demande si on veut des trucs. Fait que je pense qu'il devait être en spécial, ça l'a pas parce qu'on avait pas besoin. Sinon, le ketchup du Costco était en spécial, fait que ça valait la peine. Même chose pour la salsa, on devrait toffer tout l'été avec ça. J'aime vraiment beaucoup me faire genre des yogourts déjeuner avec du yogourt grec. Fait que je prends celui-là au Costco, je trouve qu'il vaut vraiment la peine. Je mets des petits fruits, mais sinon, framboises, bleuets. J'avais vraiment envie de manger des bleuets. Fait que je me disais que ça allait être bon. Je vais prendre un petit bol de fruits d'ailleurs, ça va être délicieux. Puis des fraises. On a pris du fromage single de Kraft, kind of, parce qu'il était en spécial. Et du lait, on en avait plus. Oh my god, dans le temps, la mère Antoine, elle achetait ça quand ils habitaient chez eux. C'était tellement bon. Fait que c'est des genres de barres glacées yogourt grec. T'as fraises bleuets puis fraises vanille. Vanille, bleuets, fraises vanille. En tout cas, c'est vraiment délicieux. Du thon pour Anto pour ses sandwichs de midi. Moi, je mange pas de poisson, de fruits de mer à part quelques exceptions. Fait que... c'est ça. Puis des Made Good, fait que c'est genre des petites bouchées de... c'est chocolat, pépites de chocolat. C'est des sachets de granola, pépites de chocolat. Fait que c'est vraiment délicieux. Puis on pourrait en faire maison aussi. C'est juste que j'ai pas pris le temps de le faire. Fait que ma belle-mère nous en a acheté à la place. Elle a acheté de la Visi en tour. Puis ça ressemble pas mal à ça. Fait que un petit haul Costco. On a quand même eu un matin assez complet jusqu'à présent. T'es allé prendre une petite marche, fait un petit entraînement de rien du tout, mais pour un premier en deux mois pour ma part. Anto s'entraîne une couple de fois par semaine à la maison. Mais moi, je dois avoir fait genre un entraînement il y a deux mois. Puis avant ça, ça devait faire à peu près sensiblement la même chose. Fait que j'essaie vraiment de me remettre genre dans le groove du workout. Juste parce que je trouve que je m'en viens vraiment molle. Puis je sais pas, j'ai envie juste de tone mon corps un petit peu. Puis aussi, je suis tellement à bout de souffle que je me dis ça va peut-être finir par m'aider. Fait que ça, je fais un petit entraînement de bas de corps super rapide, mais je le sens déjà. Fait que clairement, c'est bon signe. Puis je me disais que j'allais en faire comme un petit peu à tous les jours. Genre, j'avais vraiment pas envie de faire un gros entraînement aujourd'hui puis de rien faire pendant 3 jours. Fait que je pense que ce que je vais faire pour le moins le sentir comme une tâche à tous les jours, ça va être vraiment de genre... faire comme un 15 minutes à tous les jours, mais tu sais, mettons, ok, une journée je focus sur les bras, l'autre journée je focus sur le dos, l'autre journée je focus sur les jambes, les fesses, peu importe. Fait que je pense, en tout cas, je vais essayer cette formule-là, puis on va voir comment ça fonctionne au fil des prochaines semaines. L'exterminateur vient d'arriver à la maison. J'avais parlé dans un des derniers vlogs qu'on avait des problèmes avec des guêpes, c'est ça? Guêpes de terre. Fait que dans le fond, ils font comme leur nid dans la terre, puis on a comme un gros espace. De gazon qui est comme un 3 mètres par une dizaine de mètres, 10-12 mètres, qui est rempli de guêpes de terre. Fait que ils sont venus faire un premier traitement la semaine passée. Puis là, en fin de semaine, on a vu que c'était réparti, genre, se sont un petit peu relocalisés dans la cour, mais ils sont pas toutes partis. Fait qu'ils reviennent donner une deuxième shot. Je sais pas combien de fois ça peut prendre avant qu'ils disparaissent complètement, compte tenu du fait qu'on a quand même un gros espace à travailler avec. Fait que je parle de carré où est-ce qu'ils sont toutes là. Fait que bref, ils sont là en train de faire ça, fallait juste qu'on attende qu'ils arrivent avant de pouvoir quitter. On a trouvé une chaise sur Marketplace pour la chambre du petit.
Puis j'essaie vraiment beaucoup de checker Marketplace parce que ça permet de donner une deuxième vie au système. Puis ça permet, en tant que nouveau parent, on a tellement d'affaires à acheter. Puis même si tu... Même si les gens dans ton entourage t'aident et tout, à un moment donné, tu vas pas leur demander de tout t'acheter, là. Fait que bref, je checkais Marketplace vraiment régulièrement pour une chaise berçante pour la chambre du petit. Mm-hmm. Puis on en a trouvé une vraiment abordable, en super bon état. Fait que là, on s'en vient récupérer ça aujourd'hui. Est pareil que celle que ma meilleure amie a acheté pour sa fille. Puis vu qu'elle est comme, je sais pas si elle est beige ou grise, je pense qu'elle est beige, elle va fitter avec notre décor à la perfection. Yes. Elle est vraiment pas lourde. Ah ouais. Ça a été rapide. Vite fait, bien fait. Fait qu'elle grise. Elle genre grise pâle. Fait que ouais. Peu importe, ça j'étais pas sûre de la couleur en ligne, mais peu importe qu'est-ce qu'on décide, mettons, pour sa chambre à lui. Je vous montrerai d'ailleurs, on a avancé un petit peu sa chambre. Je pense qu'on. Je vous l'ai pas montré, mais peu importe si c'est sa chambre ou la chambre d'un petit frère ou d'une petite soeur éventuellement, ben. Ça va marcher. Ça va fitter avec tout. Là, on va refaire le même chemin à l'inverse. Non, même pas. Quoi? Tu vas prendre un autre chemin. Parfait. Tu fais changement. Sauf que là, je vois plus en arrière. Oui. Une autre épicerie dans le même vlog. On t'arrêtait à l'épicerie justement parce que j'avais vraiment envie de viande froide pour mon petit sandwich. Fait que d'ailleurs, vous êtes une couple à m'avoir demandé comment ça je mangeais de la viande froide. En fait, là, tu sais, ce paquet-là, mettons, c'est jambon fumé à l'ancienne et rôti de poitrine de dindon cuit. Il est déjà cuit, déjà pré-cuit. Fait qu'enceinte, tu peux manger ça. C'est juste qu'il faut que tu cherches l'alternative de. Fait qu'on a pris ça, on a pris de la dinde pour en tôt. Je m'ai pris un vin sans alcool. Je m'étais fait recommander le Saint-Régis que j'ai trouvé. Fait que vu que j'ai... C'est ça, je me suis dit qu'une petite sangria ce soir, vu qu'on s'en va souper chez des amis, ça allait être parfait. Fait que souvent, je fais ma recette avec du 7-Up, du jus d'orange, puis du vin. Fait que vin sans alcool, ce sera. J'ai repris un petit Clamato pour faire des bloody, des virgin, peu importe, du maïs sucré parce qu'il était en spécial puis ça, j'avais vraiment envie de manger ça, des bananes, galettes de riz, on se fait des déjeuners avec galettes de riz, beurre de peanuts puis des bananes, c'est délicieux, il était juste vraiment pas prêt là, fait que c'est tout ce qu'on peut avoir, des petites tomates, des raisins, des chips qu'on va amener aussi ce soir. Puis en tout, c'est pris des repas congelés. Fait que ouais, je vais me faire un petit sandwich avec des petits légumes pour ce midi. Ça va être délicieux. Le petit lunch est servi. Fait que je me suis fait une petite toast avec des tomates cerises, piment et un petit peu de concombre. Je pense que j'allais manger ça dehors. Il fait tellement beau. Et chaud que on va en profiter. Fait que la chaise ressemble à ça. Dans le petit décor, là, on a tout qu'un mess du salon. Mais... Je vais juste vous montrer. On a commencé, dans le fond, ma belle-mère, c'était son projet à elle. Elle voulait vraiment peinturer un mur. Elle voulait faire la peinture de la chambre, puis nous, on voulait juste peinturer un mur. Fait qu'on a choisi cette espèce de beige-là. Ce qui est cool, c'est que vu que tout est blanc, ça, tu sais, ça ressort quand même, mais on va avoir comme le lit qui est blanc avec sûrement des cadres blancs aussi. Fait que ça va venir comme pâlir un peu le tout. Ça a l'air un peu plus foncé à la caméra de toute façon, là. Mais bref, ouais. Fait que ça fit quand même bien avec la chaise. Ça fait l'affaire. Super confortable, là, pour vrai. En tout, c'est accident. Puis ce qui est cool, c'est que tu peux la barrer ici. T'as ton petit pouf. Fait que ça va être parfait. Si jamais vous demandez pourquoi il y a deux formum, on a acheté le mauvais initialement. Faut que je m'en débarrasse. Faut que je le vende, mais je l'ai juste. Je m'en suis juste pas occupée encore. Mais même chose, on l'a trouvé sur Marketplace. Fait que une très jolie trouvaille. Puis on est en train de prendre des dimensions
justement pour la chambre parce que... Là, on est en train de prendre les dimensions pour un meuble parce qu'on est allé au IKEA. Fait que je vais vous insérer ce petit footage-là juste ici. On vient au IKEA aujourd'hui faire une couple de petites trouvailles, de petits achats. Quand on montre le mur vert qui est juste ici. Ouais, là, ça serait ça dans notre chambre qui serait vraiment beau, je pense. Très cool, prendre une photo. Petite table à café. On sait pas en changeant de le salon, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre comme table à café. On avait une idée de une table ronde, t'as-tu vu? Mais celle-là est belle, elle fit très, je pense, à notre décor avec genre une petite side comme ça. Mais ouais, c'est ça. Petite table à café noire, là. Ça pourrait être vraiment pas pire, ça. Je sais pas, hein? Elle est vraiment belle. Ouais. Mais c'est sûr que ça faudrait changer celle-là aussi. Très cool, ça. On a vu ces étagères-là. Puis vu qu'on est dans le processus du salon, c'est des comptoirs à cuisine qui ont mis en étagère, mais c'est exactement le look qu'on veut. Fait qu'on va regarder pour ça. Ça serait probablement un moins de trouble. J'ai pas monté à mesurer là-dedans, mais il y en a ici. Attends, je mettrais ça dans le garde-robe de la chambre du petit. Vu qu'on n'a pas énormément de rangement dans la pièce, fait que, puis les vêtements sont tellement petits que ça pourrait genre maximiser l'espace. Ce serait bon. Sauf qu'il est en rupture de stock. Mais tu sais, maintenant, je mettrais genre des carrés en bois puis d'autres couleurs. Ça pourrait être vraiment cute. Tu veux qu'on regarde les tablettes? Parce que même chose, je mettrais dans sa chambre des petites tablettes en bois comme ça. Ah, ils sont collés. Je sais pas, je suis pas capable de la lever. Mais ouais, j'en mettrais deux sur le mur à côté du miroir rond. Sauf que j'ai l'impression qu'ils sont longues, là, celles-là. J'aime vraiment cette cuisine-là. Peut-être pas le vert, là. Mais quand on a notre rencontre avec 72. Avec la designer. OK. Fait que nous, dans le fond, ce serait tout ça qu'on pourrait avoir de comptoir. OK, fait qu'on pourrait pas parce qu'on se disait que d'ajouter une partie de rangement ici, ça pourrait être vraiment pas pire. Mais parce qu'elle nous disait qu'on pouvait vraiment l'avoir gros, là, mais on ne pourra pas l'avoir aussi gros que ça. Ça, c'est vraiment, vraiment massif. J'aime le backsplash, par exemple, qu'ils ont mis. Un genre de herringbone. Ouais, c'est vrai que tant qu'à le faire, on pourrait le faire jusqu'en haut. Il y en avait une autre que j'avais vue qui était vraiment belle, qui était un peu en pierre, genre naturelle. Mais c'est un peu, en fait, je n'ai jamais su le nom, mais... ça donnait vraiment de quoi de pas pire. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'elle va nous proposer. Évier. Gros évier comme ça. Non, on pourrait les regarder ici d'ailleurs. On pourrait les regarder ici, mais genre un Amazon, Wayfair. On va checker un peu partout, là, mais style farmhouse, ça fit. La seule chose, puis je parlais de ça avec une de mes amies qui disait que l'évier, si t'es capable de le mettre en dessous de ton comptoir quand tu refais ta cuisine, fait comme ça, quand il faut que tu fasses le ménage, tu envoies tes cochonneries directement dedans. Tu le glisses dedans à la place de devoir le lever, genre. C'est un détail, mais un détail qui est quand même cool à savoir. Hey, c'est vraiment beau. Fait qu'il y a celui-là qui est pas pire, mais check le gris là-bas, là. Avec comme... chemin. J'aurais peut-être été quasiment plus avec ça. Mais en blanc. Ouais. Regardez aussi pour le meuble de chambre pour le petit. Ça ferait quand même du sens. Tu peux mettre... tu peux... ouais. Tu pourrais mettre un... ta table à langer. Ouais, pour toi, c'est vrai qu'il est peut-être un peu... oui. Oh my god, c'est cute.
Parce que j'aime le fait qu'il y ait du rangement en bas. Je trouve ça cute, mais c'est le côté rond que je suis moins fan. Ouais, toi, t'aimais ça quand ça remontait, hein? Il y a quelques choix, mais c'est pas la grosse affaire. Co, elle a pris celle-là pour la chambre de sa petite. C'est vraiment beau. Dans son décor. J'ai l'impression que vu que nous, c'est beige, ça aurait... On regarde les rideaux en ce moment. Et puis là, je voulais me prendre un autre panneau pour le salon. Puis je me souviens plus c'est quoi qu'on a. J'ai l'impression que c'est ça. Un genre de lin. Sinon, j'en ai trouvé un beige comme ça. Peut-être pour la chambre du petit qui serait cute. On regarde nos options. On a une pôle. À toi, fin. Ouais. Ça, c'est la 2. Oui. Celui-là. La côté, non, vraiment au milieu, c'est là. Bonne idée. Je vais mettre les trucs dessus aussi. Puis quand Tokyo, on a regardé pour les lits, pour les commodes, pour la chambre du petit coco. Fait que on va aller voir ailleurs juste pour voir toutes les options possiblement au Clément et tout. Fait que ouais, c'est bien le fun. Mais bref, je vais vous montrer les petits achats qu'on a fait au Ikea quand même. Fait que pour sa chambre à lui, on a pris des espèces de petits rideaux comme ça, beige justement pour qu'il fit avec pas mal la thématique. On garde un peu le thème de la maison justement qui est comme des textures et des couleurs naturelles. Donc ça va fitter avec ça. On va avoir une toile blackout, puis des petits rideaux un petit peu plus transparents, on va dire là, par-dessus pour donner un beau petit look. On a acheté une pôle à rideaux aussi noire. Puis les attaches là, pour la faire tenir qui va aller juste ici. J'ai pris des napkins vertes. Je trouvais que ça faisait vraiment genre... c'est le fun quand tu reçois d'avoir des belles napkins. J'ai repris un paquet de rideaux pour le salon. Ceux qu'on a dans le salon, c'est les rideaux du IKEA, les Lenda. Puis on a un paquet de chaque bord, ce que je trouve qui est vraiment pas assez. Je trouve, tu sais, quand on les tire au maximum pour qu'ils soient fermés, c'est vraiment extensionné au maximum. Fait que je voulais un autre panel juste pour faire... justement, un petit peu plus fourni que ce que c'est en ce moment. Et finalement, on a acheté la commode pour notre chambre. Fait que je sais pas si on va faire ça aujourd'hui, mais ça va être dans ce vlog-ci, c'est sûr et certain. Avec un pied pour le parasol. Fait que on a ma meilleure amie nous a donné un parasol, mais il n'y avait pas le pied. Fait qu'on a acheté le pied qui allait avec. Puis on va mettre ça dehors. Fait qu'on va avoir au moins un espace un petit peu à l'ombre. La commode va être de la job en titi à monter, mais ça va vraiment, vraiment faire du bien. Et voici ce que ça donne juste avec un panel, ben un panneau de chaque côté là, dans le salon. C'est pas si mal, mais checkez-le après. Et avec deux panneaux de chaque côté, ça ressemble à ça. Fait que, tu sais, mettons, mec, on les ferme, on va pouvoir être en mesure justement d'avoir encore du fluff là, de chaque bord. Mais ouais, je trouve ça vraiment joli. Puis j'aime vraiment ça que le fait que la barre, là, track, peu importe, soit en haut complètement du mur. Fait que comme ça, ça nous permet d'avoir pleine longueur sur les rideaux aussi. Fait qu'ils sont un petit peu trop longs, mais vu qu'ils descendent en arrière, on le voit pas tant. Là, fait que c'est bien correct. Ah. T'as vu? C'est mon sel? Ok. Bien sûr. Bon, j'essaie de ne pas briser la boîte, on ne comptera pas là-dessus. C'est pas la bonne couleur. C'est sûr c'est une joke. C'est l'extérieur ça? Bon ben, je pense qu'on n'a pas la bonne couleur de meuble. Pourtant, avec les meubles qu'il y a d'habitude sur le côté, où est-ce qu'il est écrit, justement, la couleur, il était blanc. Fait que j'étais comme, ben, ça veut dire que c'est celui-là qui est blanc. Mais là, en le regardant genre de proche, tu vois que c'est comme ligné un peu. C'est parce que... Mais dans ma tête, ça fait pas de sens. Dans ma tête, il est blanc parce qu'il est blanc. Puis d'habitude, mettons, il est foncé. Il serait genre noir parce que le meuble est noir.
Fait que là, je sais pas quoi faire. Je sais pas si j'essaie d'ouvrir une autre boîte juste pour voir. Peut-être que c'est l'intérieur qui est juste comme ça. C'est ça que je me dis. Peut-être pas. Je vais attendre de voir qu'est-ce qu'Antoine en pense. Ça a l'air du bois aussi, mais Charles, il y a du blanc. Il y a du blanc? C'est peut-être une des parties. Peut-être ça, c'est l'intérieur. C'est hey! Luna! Oh, les okay. On fait dur, là. C'est tout blanc, en dessous. C'est le plateau de bord. Mais, je la somme que j'ai pris okay, de bord, c'est elle. Mais ça ici, tu vois, c'est le bois d'un bord. Puis l'autre bord, c'est blanc. Pouf! Puis l'autre bord, c'est bois blanc. OK. Pour ça que ça sent le sapin. On trouvait que ça sentait vraiment... Ça sent ça. Ouais. C'est intense, là. Mm. OK, fait que c'est correct. Au moins, ça, c'est du vrai bois, là. Ah, c'est pas de la... I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never... Ça fait 2 heures qu'on est là-dessus, mais on s'est pas chicané. Hein? Pas tant? On s'est pas chicané. Non, non. On a eu de la misère à une étape, mais on a rectifié le tir. Fait que ça ressemble à ça pour l'instant. Il nous reste pas mal les tiroirs puis l'endo à monter. Puis après ça, on va être pas mal fini. Fait que le frame est fait, la partie la plus intense est faite. Fait que ça procède, il va nous rester, je pense, une quinzaine d'étapes, mais ça s'en vient. Bonjour, ma mignonne. Non! Salut! Ah, on est allé souper chez des amis hier soir, fait que c'était vraiment, vraiment très cool. J'ai pas filmé, j'essaie vraiment de faire une séparation, des fois, entre ma vie personnelle puis ma vie en ligne en termes de... J'aime ça vous montrer ce qu'on fait dans notre quotidien et tout, mais c'est pas tout le monde de notre entourage qui est genre à l'aise d'être là-dessus. Puis moi, j'ai envie de profiter des moments quand j'étais avec quand t'es avec nos amis et tout, vraiment juste profiter du moment présent. Puis on dirait que quand je pense à filmer, je peux comme pas autant en profiter. Fait que il y a des fois je filme, des fois je filme pas. Ça dépend vraiment juste, je pense, de mon mood. Là, ouais, on a terminé officiellement de monter le meuble. On a terminé ce matin vraiment tôt à faire les tiroirs. Ça s'est super bien fait, mais ça va être vraiment malade. Fait qu'il va juste nous rester dans le fond à le fixer dans le mur dans la chambre pour être en mesure de rentrer les tiroirs et tout dedans. Pour vous donner un aperçu de ce que ça a l'air présentement, c'est ça, le statut. Donc on a un tiroir qui est en dessous là parce que le meuble a genre... fendu, il est juste complètement brisé. On en a un là, en bas à gauche, on en a un ici, puis toutes mes pens qui hang juste là, pour le fun. Ce meuble là, c'est genre, mes parents l'ont eu, ça doit faire 25 ans, ça fait tellement longtemps, puis on l'a juste repris, puis on s'en est jamais vraiment acheté un. Fait que je trouve ça cool aussi, parce que le nouveau qu'on a, il vient vraiment plus haut que celui-là, fait que ça va donner justement, vu que le mur est tellement plein, puis vide, justement, là, le meuble va monter un peu plus haut, puis on va changer le miroir. Fait que ce miroir-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans la chambre du petit coco, au-dessus probablement de sa table à langer, là, on va l'accrocher, puis on l'aime vraiment beaucoup, c'est juste que pour ce gros mur-là que nous, on a ici, il est petit un peu, fait qu'on a acheté celui-là, Winners, à la place pour remplacer, qui est dans le même style, ça garde fidèle à nos habitudes de bois et tout, mais il est vraiment, vraiment plus gros que celui-là qu'on a présentement. Je risque de garder quand même cette petite déco-là, mais à arranger quelque chose d'un peu plus cute. Fait que j'ai vraiment hâte, ça va faire une superbe différence. Je pense que notre première étape va vraiment être d'enlever comme tous les tiroirs, toute la déco, tous les trucs qui sont en chemin.
pour être en mesure de pouvoir mettre le nouveau meuble. Puis l'affaire avec le nouveau meuble IKEA, c'est qu'on peut le fixer dans le mur. Fait que même si j'aime pouvoir, mettons, tirer ce meuble-là des fois, juste parce que, par exemple, tu vas donner un coup de balayeuse en arrière ou quelque chose comme ça, avec un enfant qui s'en vient, puis on sait que ça sera pas tout de suite, mais éventuellement, ben il va finir par marcher, puis tout. Puis je pense que les meubles IKEA sont vraiment reconnus pour des accidents avec des enfants, puis ça ne tente vraiment pas que ça arrive. Fait qu'on va sécuriser ça tout de suite, tant qu'à être là-dedans, puis tant qu'à être dans les réno et l'arrangage de tout ça. Phase du jeu. Coco! T'aimes-tu le nouveau meuble? Tu peux regarder dehors? Parfait! Tout le monde y trouve son compte. Ah ouais? Sauf Fanto. Qui remonte dans le dos, pauvre petit Coco. Ouais, ça va être parfait. Puis là, je pensais mettre comme une fausse plante là. Fait que avec le plus gros miroir, ça va donner de quoi de vraiment pas pire. Et je suis en train de le sécuriser. Fait que non, tu veux pas que je le mette. Non, non. Tu vas bien être. Ouais. L'affaire, c'est qu'on a une prise de courant en arrière. Puis habituellement, on avait un diffuseur d'huiles essentielles qui était là, sur le dessus du meuble. Puis qui était branché dans le mur. Mais si on le branche encore, là, ça va scraper la prise. Fait que on va le mettre ailleurs. Ça va être sharp. Ça serait pas si pire que ça. Tu veux-tu qu'on l'essaye? Un, deux. Ouais, ben il y en a un qui tenait genre ça, puis l'autre, je pense que c'est juste décoratif. Ça va être parfait, ça, dans sa petite chambre. Je vais mettre pour sa chambre un miroir d'un côté, puis genre deux tablettes en bois. À peu près dans le même style de bois, là, mais il y en a qui sont bien corrects, qu'on avait dans notre ancien appartement. On les avait en blanche, je rachèterais les mêmes, mais en bois, fait que ça fitterait à la perfection. Ça, je suis pas sûre, là. C'est ça que je l'ai. Moi, je vois pas, fait ouais, c'est bon. C'est correct? Ouais, là, il est comme dessus. Je vais essayer de savoir. Le sécuriser. Il est beau. T'aimes ça? Ouais, j'aime vraiment ça. Bon. Styling session. Ça peut être long en plus. Non, vraiment pas, merci. Ça ressemble à ça, le petit meuble, pour vrai, vraiment, vraiment content et satisfait de ce que ça donne. C'est sûr que là, tu sais, je pourrais mettre un cadre à gauche et tout. Je voulais vraiment juste attendre de voir qu'est-ce que ça allait donner avec le meuble, le miroir puis tout le kit, mais j'aime vraiment ça. Fait que j'ai tout organisé ça. C'est un vase qu'on avait qui venait de l'aubainerie, il me semble. Ça vient du Dollarama, la petite chandelle de Aura, eucalyptus et menthe, elle sent tellement bonne. Notre diffuseur d'huiles essentielles, Vitruvie. D'habitude, il faut qu'il soit branché, mais là, c'est ça. Je l'ai mis là juste pour essayer d'avoir de quoi. Puis, certaines petites choses, ma boîte à bijoux. Ça, c'est justement mes bijoux tous les jours que je mets là-dedans. Là, souvent, je les enlève, puis je les remets rapidement comme ça. Puis ça, un petit vase que j'ai pris à la friperie, que j'aime beaucoup. Fait que j'ai pas mal tout organisé nos tiroirs. J'ai mis mes sous-vêtements ici, mes brassières, puis mes bas juste là. Dans le deuxième tiroir, des jeans, des leggings, des pantalons lousses, ce genre de choses-là. Pour vrai, je trouve ça vraiment cool parce qu'ils contiennent vraiment beaucoup. Ils sont super profonds, les tiroirs, fait que tu peux en mettre quand même pas mal.
Puis dans ceux du bas, ben c'est ma section préférée, ma section jogging. Fait que j'en ai vraiment trop là, pour vrai. J'ai fait un tri en plus en même temps. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça, en tout, on a mis ces bas ici, ces sous-vêtements-là. On a mis toutes ces shorts puis ces maillots dans le deuxième tiroir. Et finalement, toutes ces jeans et jogging dans le dernier. Fait que c'est vraiment super. Puis ça, il va falloir que si jamais vous avez des suggestions, des idées ou peu importe, là, initialement, je voulais mettre comme une fausse plante là, mais j'ai essayé celle qu'on avait déjà à la maison. Puis, vu que j'aime vraiment que ça, ce soit là, parce que ça donne une espèce d'effet de hauteur qui manque, je trouve, si c'est pas là, là. Avec une plante à côté, c'est juste too much. Puis, initialement, avant, on l'avait aussi à droite. Mais vu que ça pognait toujours dans la porte, c'était vraiment moins pratique. Fait que bref, je sais pas, je me disais, tu sais, un petit panier à terre avec genre un cadre en haut, peut-être. Sinon, je songeais à comme changer la pôle de rideau pour une pôle un petit peu plus longue pour rajouter des panneaux de rideau pour que ça vienne un petit peu plus loin. Fait que bref, si jamais vous avez des suggestions, des idées, peu importe, je suis toute oui, mais vous me direz si vous aimez ça. Moi je trouve ça génial, très paisible. On pensait aussi éventuellement peinturer le mur de fond de notre tête de lit là-bas. Fait qu'on voulait peut-être le mettre vert, à voir si on va le faire là ou quoi. Mais j'ai un cadre qui s'en vient de Opposite Wall là, qu'on va mettre là. Fait que ça s'en vient tranquillement, pas vite là. Ça s'en vient. On finalise des choses, puis ça donne vraiment un sharp look. Je suis vraiment contente.